Talent et violoncelle, ça fait déjà 10 ans. C'est venu du fait que j'ai eu énormément de difficultés à financer mon propre instrument. Et je me suis dit, c'est pas normal que dans notre cher pays, on ne puisse pas trouver des solutions pour trouver des partenaires pour financer ces instruments. Quand Raphaël Bidot est arrivé comme professeur au CRR, il m'a confié qu'il était en face d'étudiants d'excellent niveau, de vraies perles, pour reprendre son expression, et qui étaient dans la même difficulté qu'il avait rencontrée. Et Raphaël était extrêmement meurtri de cette situation, et on s'est dit, banco, faut qu'on y aille. Le talent violoncelle, ils sont arrivés un peu dans un no man's land en France parce qu'on a à l'étranger des fondations qui s'occupent effectivement d'acheter des instruments de prestige et puis de les prêter. Et c'était un grand manque en France. Donc le talent violoncelle arrive à point nommé pour démarrer comme ils le font déjà sur des prêts pour des étudiants, mais peut-être après monter en valeur et acquérir des instruments de prestige qui pourront prêter à des artistes confirmés. On a fait construire beaucoup d'instruments, on a fait construire quasiment une vingtaine d'instruments. Bon, bah, ces instruments, ils vont avoir des vies sur siècles, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et puis on a des instruments anciens dont la valeur est de plus en plus importante parce que il faut avoir, je dirais, toute la gamme des instruments pour tous nos jeunes talents. On va continuer à soutenir la lutherie, ça c'est très important, et on va continuer à faire construire des instruments qui sont des instruments de grande qualité qu'on fait construire par des grands luthiers, mais également par des jeunes luthiers qui démarrent. Nous identifions pour nos mécènes, quand ceux-ci nous demandent de faire construire des instruments, les meilleurs luthiers. Nous avons quelque chose qui n'est pas issu de l'industrie, quelque chose qui a été fait de manière artisanale, qui est le fruit d'un savoir-faire. Ce savoir-faire va évoluer dans le temps. On a une vraie prise de valeur progressive. On s'inscrit vraiment dans des temps longs et dans du vrai patrimoine, on va dire, pérenne et sûr. Pour moi, ça me semble extrêmement important de constituer un fonds d'instruments qui va permettre cette pérennité dans le temps. Aujourd'hui, les instruments les plus chers dans les instruments en cordes sont des instruments qui datent du 17e, voire fin 16e. Et il est clair que si ce fonds ne se perpétue pas et que l'on ne construit pas en permanence des instruments, il n'y aura pas la possibilité de voir les siècles à venir ce que devient ce parc instrumental. On écrit une histoire quand on crée un instrument. Et il ne faut pas couper l'histoire, il ne faut pas arrêter l'histoire. Talent et violoncelle, c'est une idée de génie. L'idée, c'est de mettre ensemble des univers complètement différents pour faire quelque chose de très intelligent. Faire vivre la lutherie française. Mettre à disposition des jeunes talents des instruments qu'ils n'ont pas les moyens d'acquérir. D'avoir des mécènes qui ont envie de donner un sens à leur don ou à leur mécénat et qui se trouvent dans une situation patrimoniale qui a un sens aussi, puisque le violoncelle, c'est vraiment un actif fort. Le constat fait par Raphaël, c'est de se dire on ne peut pas se permettre de rater comme ça des talents, tout simplement parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le petit coup de pouce qui leur permet, pendant ce cycle d'études, de bénéficier d'un instrument qui leur permettra après certainement d'embrasser une carrière. Notre orientation Caisse d'Épargne, c'est sans arrêt de valoriser le patrimoine là où on est. Depuis l'origine, nous sommes portés par la volonté d'aider les gens, d'être utile à nos clients, d'être utile à la société, et donc d'aider des jeunes qui avaient des talents, qui n'avaient pas les moyens financiers d'acheter un violoncelle, et de se dire, mais voilà, si je peux l'aider, si je peux pousser un jeune qui a un talent et ne pas le bloquer à cause d'une barrière financière, il faut faire quelque chose. Talent violoncelle le propose, c'est formidable, on y va. On veut que tous les jeunes talents en France, sur ces instruments, puissent trouver l'instrument dont ils ont besoin, même s'ils n'ont pas les ressources financières pour le faire.
Et nous, on sera là. Donc voilà, ça c'est notre objectif absolu. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, nous, on va croître avec plus d'instruments. I wish other people did the same thing because the musicians they get good instruments. The makers have an opportunity to be guaranteed that their instruments will be played by active young good musicians. And then the people who are the patrons have a great satisfaction in helping the musicians and helping the violin makers. So it's sort of a what we would call a win-win situation. Quand on n'a pas la possibilité de jouer sur un bel instrument, déjà, on ne fournit pas la qualité de travail suffisante, on ne s'épanouit pas, parce que c'est impalpable peut-être, mais c'est vrai que jouer sur un instrument qui vous donne une richesse de son, c'est remarquable. Donc c'est très important, effectivement, pour le développement personnel du musicien d'avoir un bon instrument, et également pour le ressenti, j'allais dire, le jury pour un concours ou le public dans une salle, il entend la différence entre un mauvais instrument et un bon instrument. Au moment où je mets les cordes, je sais si ça va aller ou si ça ne va pas aller. Après, l'instrument va évoluer, mais il va évoluer parce qu'il va vieillir naturellement, bien sûr, mais il va évoluer surtout en fonction de musiciens qui va le jouer. Plus vous avez un musicien qui est exigeant, qui rentre dans la corde, qui veut en tirer le maximum de son, qui presse comme du citron, et plus il va le presser et plus l'instrument va se développer. Un instrument, ça évolue quand c'est joué. C'est pour ça que quand il n'est pas joué, ben, il meurt l'instrument. Et donc il y a toute cette alchimie qui fait que Talent et violoncelle remportent un franc succès auprès des mécènes, auprès de nos jeunes talents. J'avais beaucoup plus de portes qui s'ouvraient grâce à ce violoncelle, un son beaucoup plus puissant, un timbre plus riche. Voilà, c'est évidemment, ça n'a rien à voir. J'étais folle. je voulais plus le lâcher. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'était genre, le son, le timbre, l'émission et tout, la facilité de jeu aussi, beaucoup. C'est hyper gratifiant. Et donc du coup, ma question de discours, là, je peux m'exprimer beaucoup plus librement quoi, par rapport à avant. J'ai plus de palette, en fait. Je peux jouer beaucoup plus sur le timbre, donc sur le son, etc. Alors qu'avant, c'était tout très, très plat, quoi. Ça ouvre, en fait, des capacités instrumentales et musicales. Et quand on a un instrument qui sonne et qui fonctionne, on est libéré, en fait, pour penser à d'autres choses, c'est-à-dire à la musique, au langage, au discours, à quelque chose de beaucoup plus global, je pense. Nous avons rencontré Justine, elle avait peut-être 14-15 ans. Elle avait typiquement le profil des jeunes que nous voulons aider, du talent, mais des difficultés financières à avoir un instrument pour développer son talent. Et aujourd'hui, Justine fait une carrière, une véritable carrière internationale. C'est une immense joie, une immense fierté de voir qu'on peut les emmener à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup aidé à progresser parce que c'est vrai qu'au début on ne dit pas que c'est le violoncelle qui joue, c'est la personne derrière qui produit le son et tout ça. Mais pendant un moment, je trouve qu'avec un meilleur violoncelle, ça nous aide à aller plus loin, à trouver des textures, des couleurs et tout ça différentes et que ça nous aide à progresser encore plus loin. Ce qui m'a intéressé dans ces valeurs de l'association, c'était le fait que les violoncelles étaient prêtées à des jeunes musiciens en devenir, qui étaient déjà, à mon avis, très conscients de la valeur instrumentale pour la pratique musicale. Le lien avec les luthiers, puisque du coup, on revient à l'histoire même de la fabrication, et le lien entre le jeune qui joue et la personne qui a prêté le violoncelle. Le mécénat, c'est l'avenir. Et en plus, le mécénat, c'est la main tendue entre les humains. C'est très important.
Être mécène et utiliser son argent pour le bonheur des autres, c'est une chance pour le mécène. Donc je pense qu'il est bien que les anciens s'occupent des jeunes, de même que quand ils étaient jeunes, ils ont eu des anciens pour les accompagner. Voyez. Voilà ce que je pense. On l'a vu dans les regards, on l'a vu dans les coups d'archet, c'était une communion. Et c'est ça la générosité de la transmission. On a un savoir qui est extraordinaire pour les grands musiciens. Et quand ces grands musiciens acceptent de le partager avec les jeunes, c'est formidable. Je leur souhaite de trouver les mécènes qui leur permettent de développer leur parc d'instruments et donc des prêts à de jeunes musiciens qui en ont besoin, de continuer ce travail aussi de repérage hein, de talents, parce que ça, c'est vraiment important, et puis de faire vivre la lutherie française, bien entendu. L'avenir de l'association passe par notre capacité à trouver des mécènes qui vont nous aider financièrement, bien sûr, parce que l'association, elle a besoin de fonds pour tourner. On s'ouvre à tous les instruments du quatuor à cordes, les altos, les violons également. On attache beaucoup d'importance à des mécènes, et c'est ce qui commence à se faire, qui vont nous permettre d'acquérir nous-mêmes, en restant propriétaires, des instruments. Et en composant un parc d'instruments qui va au fil des années, au fil des décennies grossir, ça va donner une grande stabilité à l'association. Le plus important, c'est qu'un jeune puisse s'épanouir, puisse se régaler avec ce qu'on lui prête, et puis il a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que c'est grâce à lui aussi que l'aventure continue.